Bonjour les enfants, vraiment je suis très très heureux, enchanté et émerveillé de venir à nouveau vers vous pour vous parler de ce cinquième jeu de la semaine basé sur le thème du cœur. Et aujourd'hui, ce sont les enfants de France, de l'école Saint-Roch à Avignon, qui nous proposent ce jeu. Hein, et dans la vidéo qui accompagne cette explication, eh bien vous le verrez, ces enfants. Ils viennent de différents pays et certains d'entre eux dans la classe ont de très très grandes difficultés à parler le français parce qu'ils viennent d'arriver en France. Ils vivent dans des quartiers un petit peu mis sur le côté et donc c'est vraiment une classe, une école en zone de précarité, et donc c'est merveilleux ce qu'ils nous proposent depuis qu'ils agissent pour la paix comme des héros de la paix. Enfin, je n'ai pas de mots devant ce qu'ils nous offrent. Donc vraiment, si quand vous nous enverrez des vidéos du jeu que je vais vous montrer, eh bien pensez à tout l'amour que vous allez pouvoir leur offrir. Alors le jeu, il commence comme ceci, toujours basé sur le cœur, et là ils partent directement de la poitrine. Et ils offrent leur amour tout en soufflant. Ils envoient de l'amour à tous les enfants de la classe et à tous les enfants du monde entier, et ils soufflent. Puis ils ramènent cet amour, ils vont chercher cet amour dans le monde, en inspirant partout dans la lumière qui se trouve autour d'eux, ils ramènent cet amour dans leur cœur. Et puis, il le renvoie. Et là, quelque part, si vous avez bien observé la vidéo, je viens de faire une petite erreur. Pas bien grave. Parce qu'en fait, j'étais concentré sur vous. C'est vous que je regarde. C'est à vous que je donnais l'amour. Et ça, c'est important. Mon attention était focalisée sur tout l'amour que j'ai pour vous. Parce que quand vous êtes chez vous, vous pouvez, évidemment, pour avoir plus de facilité pour vous focaliser sur votre attention, mais évidemment, regardez le cœur qui avance. Voilà. Je vous offre mon amour. Oh, je me suis trompé. J'ai inspiré. Je recommence. Vous envoie tout mon amour. Et puis je prends le vôtre, j'accueille, je reçois le vôtre. Je ressens tout votre amour à l'intérieur de moi. Comme je suis heureux de recevoir tout cet amour. Comme ça me fait du bien de partager tout cet amour avec vous et de vous l'offrir. Dans mon cœur, je suis toujours aimé. Merci. Merci à vous les enfants. Vraiment, ce moment était extraordinaire. Je suis tellement heureux de vous avoir envoyé tout cet amour que je reçois des enfants du monde entier et que je puisse vous le partager et à nouveau le recevoir. Alors, vraiment, je vous invite à faire la même vidéo que je viens de faire et à partager de façon à ce que je puisse l'offrir aux enfants de l'école d'Avignon, leur dire, mais voyez, regardez, le jeu que vous avez inventé, il est fait aussi maintenant partout dans le monde entier. Donc
Merci, merci, merci à tous les enfants qui me regardent. Merci, merci, merci à tous les parents qui aident les enfants à vivre ces jeux anti-stress, qui améliorent le climat scolaire, qui améliorent le climat familial. Un tout grand merci. À bientôt! Aïmen, Mohamed, Saël. Et nous vous présentons un geste fait qui s'appelle le cœur. On expire en le mettant devant et on expire en le faisant revenir sur nous. Et pourquoi est-ce qu'on a, nous, pourquoi est-ce que nous ici, on a envie que d'autres enfants voient ce que vous faites? Oui. Pour qu'ils se sentent mieux et qu'il n'y a pas de problème. Tout à fait, ça c'est une proposition, oui. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme proposition, Mohamed? Et ça calme. Oui, et quoi d'autre encore? Pour qu'ils se calment eux aussi, qu'ils peuvent faire les mêmes choses que nous et... Il les envoie. Merveilleux, vous êtes extraordinaire. On va porter l'amour, la bonne humeur et la joie. Alors, c'est extrême, c'est vraiment ça. Merci infiniment. Oui. S'il y a des gens qui sont pas contents, qui sont en colère et après ils veulent se calmer sur une vidéo de gestes de paix, alors ils peuvent se calmer plus facilement. Mmh. Ouais. Toi. Parce qu'on peut inventer des exercices. Oui. Qu'est-ce qu'il y a une autre idée? Oui. Je pense que c'est agréable. C'est agréable quand on fait, il n'y a pas de bruit et on est calme. Oui, oui. Merci. Quoi d'autre encore? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres idées? C'est qu'on peut le faire à beaucoup. Et on peut le faire ensemble, tout à fait. À beaucoup. C'est chouette, à beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez d'autre encore? Parce que quand on envoie la colombe, ça rend tout le monde heureux. Oui, c'est chouette ça, c'est beau. Oui, Mehdi. Quand on sent notre cœur battre. On sent notre cœur battre. Oui, merci. Merci. Oui. Et aussi, on peut l'envoyer à qui on veut. On envoie la colombe à qui on veut. Un tout grand merci, oui. Que toute la classe est calme. Et que toute la classe est calme.